C'est week-end, généralement, Véronique Jacquinet passe avec ses copines, Macha Béranger, Cachou, Sophie Favier, mais il y a 3 semaines, elle aura fait une infidélité puisqu'elle était avec le docteur Spock. Elle n'était pas la seule, ils étaient une centaine, tous fans de Star Trek, à se retrouver à la première convention française de séries de science-fiction. Un événement pour initier auquel je dois l'avouer, je n'ai pas tout compris. Ça y est, on l'a, notre première vraie convention française de science-fiction. Bon, d'accord, c'est pas un événement qui foule, mais il y a des moments où il faut savoir se retrouver entre mains. Non mais regardez-moi tous ces fans de Star Trek et d'Invasion Planète Terre qu'on a chez nous, on se croirait à Los Angeles. Ils ont même un bar Klingon. Une bière Romulienne, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah, ils s'organisent, le trekker francophone, hein. Bière Romulienne, c'est une bière de latinum pour ces messieurs d'amour. Excusez, j'ai que de la monnaie, là. Merci beaucoup. Un plaisir. Et dites donc, vous êtes drôlement au point pour votre première convention, là, parce que je me souviens, moi, il y a 10 ans, bah, c'était juste après la diffusion de Star Trek sur la 5, là. C'était encore sacrément clandé, le fan club, hein, à cette époque. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je travaille 8 heures par jour et je suis en même temps présidente de Star Trek Star, qui est un club français sur Star Trek. Ah ça, les cotisations de fan club de science-fiction, à l'époque, ça ne permettait pas de faire dans la paillette niveau convention. Ça, c'était une AG Cosmos 99, vous voyez. Mais... Ah ça, rien à voir avec aujourd'hui, regardez, on a même la salle de ciné pour se passer le clip du Captain Kirk. Bon, il a changé, c'est sûr, mais ça va faire 34 ans qu'il a commencé à être très clean. Ah, et puis aujourd'hui, eh ben, il y a les nouveaux. Alors, Quark, c'est pas le moment dans le métro d'entier, il y a le concours de costuming, là. Mais regarde, quand même, ça vaut le coup, hein. Bon, là, on vous montre les plus... Enfin, de toute façon, ils étaient que 5, hein. Pourtant, ça fait 4 ans qu'Anna Jimmy a relancé la mode en diffusant les nouvelles séries Star Trek qu'on n'avait jamais vues, nous. Et puis ta mère, c'est plus en train de te balader comme ça. Ben oui, là, voilà la pouffe, justement. Ah, il y en a qui sont parmi la première digue sur TF1 il y a 18 ans. Et sachant quoi, voilà. Ah. Donc, il y a la soucoupe, la nacelle de combat, et puis une petite navette auxiliaire d'exploration. Ah ouais, et ça marche à quoi, ce truc? Oui, ouais, c'est compliqué. Ah bon? Alors, un système matière-antimatière. Non. Par contre, ils ne peuvent pas dépasser, voire 10, parce que physiquement, c'est impossible. Ah bon? C'est l'infini, en fait, après. C'est l'infini, puis en plus, après, il y a le décalage temporel, la relativité, etc. D'accord, bon, ben, je vais m'en griller une, moi, si ça vous gêne pas. C'est quoi qu'ils ont marqué? Vous causez le Klingon, s'il vous plaît. Ok, bon, la phrase qui est au début du générique Star Trek, là, vous pouvez me la faire en VO? Space, the final frontier. This the adventure of the Starship Enterprise. It is a continuing mission to explore strange new world. Bon, bah, je vous laisse continuer, hein. Je vais jeter un petit coup d'œil à l'autre série qui est présentée à la convention. Vous connaissez? Ça va sur Canal+, le dimanche à 16h50. Et ça s'appelle Invasion Planète Terre. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a de pouvoir enfin poser toutes nos questions à nos héros préférés. Une question qu'il faut absolument poser. Quand vous êtes maquillée, est-ce qu'ils vous ont rasé la tête? Eh ouais, parce qu'elle, en fait, dans la série, elle est carrément chauve, extraterrestre, et en plus, moi, je croyais que c'était un garçon. Bon, il en est où, notre GG? To Bobby, go where nothing gone before. Voilà. Et au fait, ils vous ont lâché les gars de mon équipe? Ah bah nous les voilà. On va verrou, on se casse, hein. Non mais, hé, attends, mais comment ça vous vous cassez? Ah non, je le crois pas, comment ils sont cons les trois, là. Voilà, TV+ revient dans un instant.